Il y avait longtemps, très longtemps, très très longtemps, dans un village vivait un homme qui était menteur. Menteur au superlatif absolu du terme. Plus menteur que lui qu'on meurt. Il avait un fils qui avait 17 ans. Un jour, son fils vint se plaindre auprès de lui en lui disant, papa, je ne peux plus supporter qu'on me traite toujours de menteur. Chaque fois que j'ouvre ma bouche pour parler, on me rabat le caquet en me disant « Ferme ta bouche, espèce de fils de menteur chronique. » Son père lui dit « Tu sais si à cause des gens ?» L'enfant lui dit « Oui, papa. » Il lui dit « Eh bien, je vais te montrer qui sont les gens. » Le père prit son âne, il fit monter son fils sur le dos de l'âne et lui le suivait derrière. Et ils marchèrent, marchèrent et marchèrent. Arrivés au premier village, les gens du premier village s'écrièrent « Regardez-moi ce fils, qu'est-ce qu'il est impoli !» Et le père lui dit « Tu as entendu ?» L'enfant lui dit « Oui, papa. » Il lui dit « Ce n'est pas fini. » Ils marchèrent, marchèrent et marchèrent. Arrivés au deuxième village, le fils descendit de l'âne et son papa prit sa place. Les gens du deuxième village s'écrièrent à leur tour. Regardez-moi ce père, qu'est-ce qu'il est égoïste. Le père lui dit, tu as entendu jeune homme? L'enfant lui dit, oui papa. Il lui dit, ce n'est pas fini. Ils marchèrent, marchèrent et marchèrent. Arrivés au troisième village, le père et le fils laissèrent l'âne marcher tout seul. Les gens du troisième village s'écrièrent à leur tour. Regardez-moi ce père et ce fils, qu'est-ce qu'ils sont cons. Il lui dit, tu as entendu jeune homme? L'enfant lui dit, oui papa. Il lui dit, ce n'est pas fini. Ils marchèrent, marchèrent et marchèrent. Arrivés au quatrième village, le père et le fils montèrent sur le dos de l'âne. Et les gens du quatrième village s'écrièrent à leur tour. Qu'est-ce qu'ils sont sans pitié? C'est vrai que l'âne s'est fait pour porter les êtres humains et leurs bagages, mais pas quand même à deux sur le dos d'un âne. Soyons quand même humains. Le père lui dit à son fils, tu as entendu jeune homme? L'enfant lui dit, oui papa. Il lui dit, ce n'est pas fini. Ils marchèrent, marchèrent et marchèrent. Arrivés au cinquième village, le père et le fils passèrent sous l'âne et portèrent l'âne sur leur cou. Les gens du cinquième village s'écrièrent à leur tour. Depuis quand un âne est roi? Depuis que ce monde existe, c'est toujours l'âne qui a porté les êtres humains et non le contraire. Ils retournèrent à la maison. Ils marchèrent, marchèrent et marchèrent. Arrivés à la maison, le père lui demande à son fils qu'est-ce qu'on doit faire. L'enfant lui dit, rien papa, tout ce qu'on a fait, on nous a critiqué. Eh bien, c'est ça les gens lui disent son papa. Sache que tout ce que tu feras dans ta vie, tu seras critiqué. Mais sache, si ce que tu fais est bien, fais-le avec beaucoup de foi, beaucoup d'amour et beaucoup d'engagement. Ne te fie pas aux critiques des gens, sinon tu ne feras absolument rien. Comment saurais-tu que le mensonge existe s'il n'y avait pas la vérité? Comment saurais-tu que la vérité existe s'il n'y avait pas le mensonge? La vérité, c'est le pied droit. Le mensonge, c'est le pied gauche. Tu as besoin de tes deux pieds pour marcher, pour te déplacer.